Hello, bonjour à toutes et tous. On est le 25 mars. Il est plus ou moins 7h15 et en gros, si vous ne le saviez pas, c'est le jour des championnats de Belgique. Donc voilà, je suis prêt. Je suis encore chez moi. Petit tour d'horizon. Et comme tout parent qui se respecte, avant de partir, je vais faire garder mes deux petits monstres qui sont prêts là. Donc voilà, on se retrouve après une bonne heure de route à Péroué pour les championnats de Belgique et on va suivre ça toute la journée avec des petites vidéos et on fera un petit tour de toutes les personnes qui sont sur place. Allez, sur ce, bonne journée. Voilà, du coup, on est de retour, simplement en direct de centre sportif de Péroué. Donc pour rappel, je m'étais mis le challenge de lancer le DUT, l'escrime, il y a un an, avec l'objectif de participer justement à cette journée-ci, championnat de Belgique. Donc la volonté c'était de voir jusqu'où je pourrais aller et ce que je pourrais apprendre en une année. Bon, l'année ne s'est pas passée exactement comme prévu. Les obligations professionnelles, la vie de famille fait que je n'ai pas pu m'entraîner exactement comme il fallait. Mais toujours est-il que j'ai bien progressé malgré tout. Et on va essayer de vous faire découvrir cette journée avec tout le monde. Quelles sont les coulisses un peu des championnats de Belgique, comment on s'organise, comment se passent les tournois et puis voir un petit peu quels résultats je peux faire au terme de cette journée. Allez, du coup on est parti pour une petite visite du propriétaire. Hop, avant d'arriver à l'enregistrement. Les meilleurs. Salut. Avec les jeux film et tout. Bah non, non. Je suis bien assez beau comme ça, sans lumière. Donc pour la petite anecdote désagréable du matin, c'est qu'il s'avère que mon masque n'était pas du tout aux normes pour la compétition. Donc il a fallu que je m'en procure un. Voici, grâce à Delem qui était sur place. Donc je vais tirer avec un masque que je n'ai pas l'habitude, qui n'est pas encore très souple, qui est à mon avis un peu serré pour mon visage. Mais au moins je serai aux normes et il était hors de question que je loupe mon objectif juste pour un masque manquant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner au contrôle matériel et ils vont me valider ça, j'espère. Donc voilà la première étape passée, mon matériel a été inspecté, validé. Donc le matériel qu'on inspecte au départ, c'est le masque et le gant pour voir s'ils sont aux normes. Donc ça, on a un petit tampon dessus qui passe. Et maintenant qu'on est prêt, avec des restes de baseball sur moi, on peut voir que tout le monde commence à s'échauffer dans la salle, chacun à sa manière. Donc je pense que je vais m'y mettre au lieu de prendre des vidéos, histoire de ne pas me faire un claquage dès le premier match. Donc pour rappel, ce sera sûrement normalement une première phase de poule. Et on vous tiendra au courant. Allez, à plus.
fait la première phase de poule permet de, aux 12 meilleurs de se qualifier pour la phase élite où se trouvent les 12 meilleurs tireurs de Belgique en été. Bon, évidemment, c'est pas une phase que j'arriverai à passer. Ici, je suis à 5 matchs dans ma poule, j'ai perdu 5 matchs. 1-5, donc c'est beaucoup trop élevé pour moi pour l'instant. Mais bon, l'expérience est là, les gens sont sympas, on prend beaucoup de plaisir. Tout ça pour dire qu'il me reste encore une rencontre pour la phase de poule, et puis je serai reversé dans la division 1, donc en dessous de la phase élite, qui équivaut à la division 2. Et là, on essaiera encore de faire une phase de poule, à gagner des matchs et essayer de se classer au mieux. Espérons qu'il y ait une victoire quand même au bout, et pas terminer dernier, ce sera mon objectif. Voici un nouveau petit point. Comme je l'ai dit, j'ai perdu donc mes 5 matchs en poule, pas de qualification en élite évidemment. Et donc ici je pensais que cette édition on allait encore avoir une phase de poule dans la division 2, enfin qu'on appelle la D1 mais qui est en dessous de l'élite. Et donc finalement pas. Donc je suis en tableau de 128, donc ça veut dire que les 128 derniers, ce sera un match en 15 touches. Et les matchs commencent ici maintenant sur cette liste-là, dans la deuxième zone. Donc, voilà, on s'est bêché bien qu'en 15 touches contre quelqu'un qui a de l'expérience, ça risque d'être bien compliqué, mais on va encore prendre l'expérience, on va s'amuser et on verra ce que ça donne. Je publierai le résultat et je ferai un petit visuel une fois le match en plus. Et voilà, c'est la fin pour moi. Donc j'ai pas eu de vidéo de mon échange, c'était assez cinglant. Tableau 128, je démarrais pas trop mal. Je me voyais faire un 3-3 au départ. Donc je me disais, tiens, il y a de la place pour mettre des touches et pourquoi pas tenter quelque chose. Mais au final, il a trouvé mes failles. Je me suis pris, je crois, une dizaine de flèches. Et donc voilà, j'arrive à quand même mettre une quatrième touche à la fin, donc je termine à 15-4. Ça restera une bonne expérience. Étant très mal classé, j'ai joué que des tirs qui sont bien plus hauts dans le classement. Donc si je voulais avoir une poule un peu plus favorable et un tirage un peu plus favorable, il faudrait que je fasse plus de compétition. Toujours est-il que mon parcours ici, en tout cas pour la quête du championnat de Belgique, s'arrête là. Et on va essayer encore de partager pas mal de choses pour montrer la journée, tout ce qui se passe. Maintenant, il y a le tableau élite qui est en cours. C'est-à-dire que les 12 meilleurs belges sont en poule avec les 12 qualifiés de la matinée. Donc c'est de l'escrime et de l'épée de haut niveau. Et aussi pour les dames. Hein. Donc on prendra quelques vidéos, on vous montrera ça. Et on fera un petit bilan en fin de journée. Salut.